Yo les gars, c'est Twanlag, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite en compagnie d'Arlex et Shenron, ces deux constructeurs professionnels. Et aujourd'hui, vous allez devoir me construire de la nourriture et moi, je vais devoir manger tout ce que vous allez construire. Le gagnant de la vidéo sera celui qui me construira les meilleurs aliments. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors c'est parti, vous pouvez construire. Ok, let's go. Les gars, j'ai super faim, j'espère qu'ils vont me régaler. Arlex, qu'est-ce que t'es en train de me faire? Alors je fais de la nourriture qui est salée. Tu fais de la nourriture qui est salée? Ok, je sais pas du tout qu'est-ce que t'es en train de faire, mais j'espère que ça va être bon. Ouais, t'inquiète, ça va être bon. Ok, en attendant, on va aller voir Shenron où il en est. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire lui? Shenron, t'es là? Ouais. Qu'est-ce que tu me prépares pour cette première manche? Alors, un indice, c'est des patates. C'est des patates? Ok, je sais pas du tout ce que t'es en train de faire, pareil. J'espère que je vais me régaler en tout cas. T'inquiète, tu vas te régaler gros. Ok, j'ai hâte de manger vos constructions. Je vais aller voir où il en est, Arlex. Oh, c'est magnifique ça! C'est des Pringles! Oh là là, je vais me régaler! Incroyable! Mec, il te reste 2 minutes pour finir ton pot de Pringles. Ça va être très dur pour Shenron de concurrencer les Pringles. D'ailleurs, je vais aller voir où il en est. Oh, attends, je crois que je reconnais ce qu'il est en train de faire. Mais non, me dis pas que t'es en train de faire une frite de McDo. Exactement, gros. Donc là, ça va être frites contre Pringles. Je sais pas du tout lequel va être le meilleur. Va falloir que je goûte. Les gars, il vous reste 1 minute pour finir vos constructions, dépêchez-vous. Ça y est les gars, c'est enfin terminé. Je vais pouvoir manger et on va tout de suite commencer avec les Pringles. Oh là 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 là, c'est magnifique. Arlex, t'as vraiment géré. On dirait un vrai paquet de Pringles. Ah, merci beaucoup. Par contre, attends, c'est pas gagné. Parce que Shenron, il m'a fait des frites de McDo. Et elles sont vraiment bien faites, elles aussi. Au niveau de la construction, je préfère quand même le paquet de Pringles. Mais à tout moment, les frites sont meilleures que les Pringles. On va tout de suite savoir. J'ai avec moi des frites et des Pringles. On va tout de suite goûter les frites. Oh là là, comment j'ai faim. Ça fait trop du bien. Franchement, les frites, c'est validé. 10 sur 10. Et là, les Pringles, je pense que c'est les meilleurs chips. Je pense que c'est les meilleurs chips. Oh là là, je suis tout renversé. Allez, j'en prends une. Oh non. Oh non. Là, les gars, il n'y a pas débat. Les Pringles sont meilleurs que les frites. En plus, la construction Pringles est largement plus stylée que la construction McDo. Arlex, tu remportes la première manche. Let's go. Pour la deuxième manche, les gars, j'ai un petit peu soif. Du coup, vous allez devoir me construire une boisson. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, c'est parti. Vous pouvez construire. Pour cette manche, les gars, s'il y en a un qui me fait ma boisson préférée, je le fais gagner direct. On va voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui. Ok, je crois qu'il est en train de faire une canette. Ah oui, bah là c'est sûr, c'est du Coca-Cola. Malheureusement, c'est pas ma boisson préférée. On va voir qu'est-ce que fait Arlex. Ok, c'est une canette bleue. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Bref, on va les laisser construire et on se retrouve dans 5 minutes pour voir le résultat. Ça y est les gars, c'est terminé. On va pouvoir juger les canettes et on commence tout de suite avec la canette de Coca-Cola. Oh là 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 là, comment elle est trop stylée. Oh, je suis choqué. Coca-Cola, goût original. Mec, il y a tellement de détails sur ta canette. Attends, quoi? T'as même fait le code barre? Ah non, t'es beaucoup trop fort. Et ouais. Bon mec, t'as beaucoup de chance de gagner cette manche. Par contre, attends, je sais pas ce qu'il a fait, Arlex. On va tout de suite aller voir sa canette. Mais non, c'est du Pepsi. Oh, j'avais oublié. Attends, là, ça veut dire on a Coca-Cola contre Pepsi. Je sais pas du tout qui va gagner. Je vais devoir goûter. En tout cas, la canette, elle est super bien faite. Par contre, il y a beaucoup moins de détails que la canette de Coca. Bref, je suis parti acheter une canette de Coca et une canette de Pepsi. On va tout de suite goûter pour savoir qui est la meilleure boisson. Alors, je commence tout de suite avec le Coca. Ok, pas mal. Ben, comme d'habitude, on connaît. Et le Pepsi, lui, je le bois un peu moins souvent. Je sais même pas s'il y a une différence de goût entre le Coca et le Pepsi. Attendez. Attendez, il y a une différence, mais je sais pas qui est meilleur. Je vais regoûter le Coca. Oh les gars, je suis choqué. Je crois que le Pepsi est meilleur que le Coca. Vous savez quoi? Pour cette manche, je vais attribuer le point à la canette de Coca-Cola parce qu'en vrai, elle est beaucoup plus belle que la canette de Pepsi. Pour la troisième manche, les gars, vous allez devoir me faire un aliment qui contient du chocolat. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors c'est parti, vous pouvez construire. Bon, la manche d'avant, ils n'ont pas réussi à faire ma boisson préférée. J'espère que cette fois-ci, ils vont faire mes gâteaux préférés. Arlex, est-ce que t'es là? Ouais. Est-ce que tu penses réussir à faire mes gâteaux?
gâteaux préférés? Ah, je sais pas, hein, on va voir. Ok, ok, mec, sache que si tu fais mes gâteaux préférés, tu gagnes directement sans même que je goûte. Bon, pour l'instant, les gars, c'est très mal parti, là, vu l'emballage. Moi, mes gâteaux préférés, c'est les Twix. Là, je sais pas ce qu'il est en train de me faire, mais c'est pas du tout l'emballage de mes gâteaux préférés. Je reconnais pas du tout. On va aller voir la construction de Shenron. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Un emballage rouge, je vois pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Shenron, t'es là? Ouais. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, mec? Je reconnais pas du tout, là. T'inquiète pas, c'est des chocolats super connus, tu vas te régaler. Ok, ok, j'aime bien quand tu parles comme ça. Si tu me dis que je vais me régaler, j'ai hâte de goûter ta construction. Oh, les gars! J'ai reconnu la construction. C'est une boîte de Mikado. Oh, comment c'est trop bon ça. Oh, je suis trop content. Je vais manger des Mikado. Bref, je vais les laisser construire et on se retrouve dans 2 minutes pour voir le résultat. Ok les gars, stop. Le temps est écoulé. Arrêtez de construire. On va voir ta construction, Shenron. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, oh, je suis choqué. C'est des Kit Kats. Oh, comment c'est trop bien fait. Oh non. Oh, mais mec, t'es trop fort. Bah merci mec, ça fait plaisir. Non mais mec, t'es beaucoup trop fort. Regarde-moi ça, c'est trop bien fait. Je suis choqué. Ça me donne envie de les manger, tu sais quoi. Bref, on va aller voir les Mikado pour voir si eux aussi, ils sont super bien faits. Oh là 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 là. Oh, c'est trop bien fait. Je sais pas qui je vais choisir. Incroyable. Mec, t'as fait exactement la même boîte que les boîtes de Mikado. Bon, je pense que le seul moyen de départager les deux constructions, c'est de les goûter. Alors, je vais tout de suite aller acheter des Mikado et des Kit Kat et on se retrouve pour la dégustation. Ça y est, j'ai acheté les Kit Kat et les Mikado et on va pouvoir déguster. Aïe, 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 j'ai hâte. Comment c'est beaucoup trop bon les Kit Kat. Regardez-moi ça. Oh, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Hop là, je vais tout de suite goûter ça. Ça les gars, c'est validé, c'est beaucoup trop bon. Maintenant je vais goûter les Mikado. Déjà la boîte, elle est exactement comme sur sa construction. Je suis choqué comment ils sont trop forts les constructeurs. Ah, les Mikado, ça aussi c'est incroyable. Tu les prends comme ça, ça se mange tout seul. Ah ouais, oh, y a pas débat. Les Mikado, c'est largement meilleur que les Kit Kats. En vrai, je sais pas qui choisir parce que les Mikado sont largement meilleurs que les Kit Kats. Mais par contre, la construction des Kit Kats est largement plus stylée que la construction des Mikado. Alors, je sais vraiment pas qui choisir. Les gars, dites-moi en commentaire qui vous avez préféré entre les Kit Kats et Mikado parce que moi, franchement, je sais pas. Pour la 4e manche, les gars, vous allez devoir me faire un aliment qui se mange chaud. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, c'est parti, vous pouvez construire. Les gars, j'ai beaucoup trop faim. J'espère qu'ils vont me construire un truc de fou. D'ailleurs, les gars, en parlant de truc de fou, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne. C'est un truc de malade. Je vous prépare une surprise incroyable pour fêter ça. Franchement, vous êtes pas prêts. Je compte sur vous pour vous abonner. Ok, Alex, qu'est-ce que t'es en train de me faire? Oula, ça sent la pizza, ça. Je me trompe? Non, non, c'est bien ça. Ok, ok, ça s'annonce bien. Je sens que je vais me régaler. On va tout de suite aller voir ce que fait Shenron. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Oh, il a pas du tout avancé, je sais pas du tout ce qu'il est en train de faire. Shenron, tu fais quoi là? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du poulet dedans. Il y a du poulet? Ah ben, je crois que j'ai deviné, mais je suis pas sûr. C'est quoi? Je repasse dans 2 minutes et on va voir si c'est ce que je pense. On va aller voir la pizza où elle en est. Oh là 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 là, c'est incroyable. J'ai trop hâte de goûter la pizza. Par contre, mec, attends, c'est quoi comme pizza là? J'ai pas bien vu. C'est une margarita? Ouais. Aïe 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 aïe, je vais me régaler. Au fait, les gars, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez activer mon code créateur Twanlag dans la boutique de Fortnite. Il y a très peu de gens qui le savent, mais voilà, je vous le dis, comme ça vous êtes au courant. On va tout de suite regarder la construction de Shenron. Oh là 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 là, c'est un bucket KFC. Oh, je suis choqué. En plus, j'ai jamais mangé KFC de ma vie, frère. Ça va être la première fois. Ah ouais? Non, non, je te promets, j'ai jamais mangé. Ça a l'air incroyable. J'ai trop hâte. Oh là là, cette vidéo, elle est incroyable. Ça y est, ils ont tous les deux terminé leur construction. On va aller voir à quoi ressemble la pizza. Ok, c'est une pizza Domino's. En plus, je mange pas souvent chez Domino's. Ça va être l'occasion de goûter leur pizza. Je vais quand même aller voir à quoi ressemble le bucket KFC là. Ah ouais, il a mis des tenders en haut. Ah ouais, non, c'est trop stylé. Oh, je suis désolé, le KFC, il est largement plus stylé que la pizza. Après, ça se trouve, la pizza, elle va être meilleure, hein. On sait pas. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. Ça y est, j'ai le KFC et la pizza Domino's. On va tout de suite commencer par la pizza. Oh là 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 là, comment j'ai trop faim. Oh, regardez-moi ça, elle est magnifique. Je vais directement prendre une part. Oh là 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 là. Mmh. Oh, ça fait du bien. Ouh là là, ça fait plaisir. Ah, oh, vous imaginez pas comment j'avais faim. Ça fait trop plaisir. Moi, les gars, les pizzas, je les mange comme ça. Je la plie en deux et hop. Voilà. Tout simplement. En vrai, la pizza, je mets un bon 7 sur 10. Et maintenant, les gars, on va passer au bucket KFC. Oh là là, mon tout premier KFC. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Oh, oh, cette odeur. Oh, ça caresse mes narines. Oh là là, j'adore. Regardez-moi ça.
Par contre, attendez, je vais vérifier un truc avant. Est-ce que c'est halal KFC? Oh non! Oh non, les gars! Oh, j'ai trop le seum! Non! Je croyais que c'était halal KFC! En plus, ça m'a coûté 20 euros ce truc! Oh non, j'ai trop le les gars, je suis dégoûté. Bah, du coup, je vais pas pouvoir manger, les gars, malheureusement. En vrai, dites-moi en commentaire, c'est quoi le meilleur entre Domino's et KFC? Puisque moi, du coup, je peux pas juger, je peux pas goûter. Je compte sur vous, les gars. On va tout de suite passer à la cinquième manche. Pour cette manche, les gars, vous allez pouvoir me faire un aliment surprise. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, c'est parti, vous pouvez construire. En vrai, dans cette vidéo, j'ai déjà bien mangé. J'espère qu'ils vont pas me faire un truc trop gros à manger. Qu'est-ce que t'es en train de me faire, mec? C'est un œuf? Ouais. Mais c'est pas bon un œuf, mec, tu vas perdre. T'inquiète, t'inquiète, tu vas kiffer. Ah ouais, je vais kiffer. Ok, ok, bah tu sais quoi, je te regarde plus jusqu'à la fin, on verra ce que tu vas faire. En attendant, je vais aller voir Arlex, je me demande ce qu'il est en train de faire. Oh, attendez, me dites pas que c'est ce que je pense. Pour l'instant, on dirait vraiment un pot de Nutella. Ah ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est clairement un pot de Nutella. Oula, ça c'est bon, ça me régale. J'aime trop le Nutella, c'est parfait. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à faire les petits détails sur l'étiquette juste ici? En vrai, s'il y arrive, c'est incroyable. Ça y est, les gars, c'est terminé. Arrêtez de construire. Je pense que vous avez fini vos constructions. Oh là 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 là, le pot de Nutella, il est magnifique. Attendez, je vais chercher mon pot de Nutella juste pour comparer. Regardez-moi ça, les gars, c'est la même chose. Je suis choqué, mec, comment t'as trop bien fait le pot de Nutella. C'est incroyable. En vrai, je pense que tu vas gagner, mais je vais quand même aller voir l'œuf de Shenron. On sait jamais. Oh, il a fait un Kinder Surprise. Comment j'ai fait pour pas y penser? Mais non, l'idée de génie. Incroyable, mec. En plus, il est trop bien fait. Oh là là, les gars, je sais vraiment pas qui je vais choisir pour cette manche. En vrai, c'est super serré. Bah, vous savez quoi? Il n'y a plus qu'à goûter. Je suis muni d'un Kinder Surprise et d'un pot de Nutella. On va commencer par le Kinder Surprise. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Dites-vous, je mangeais ça quand j'étais tout petit. Oh là 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 là. Et je crois qu'il y a un jouet à l'intérieur. Attendez, comment on l'ouvre? Comme ça? Oh, ok, j'ai réussi. Il y a quoi dedans? Mais non, c'est un dinosaure. C'est trop bien, les gars. Allez, on va arrêter de déconner. On est quand même là pour goûter l'aliment. Alors, est-ce que c'est bon? En vrai, c'est pas ouf, hein. Non, en vrai, c'est pas ouf, le Kinder Surprise. Je vous promets, hein, il n'y aurait pas le jouet, ce serait vraiment nul comme chocolat. On va tout de suite passer au pot de Nutella. Alors, les gars, il n'y a qu'une seule manière de déguster le Nutella. C'est à la grosse cuillère, comme ça. Oh, 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 oh. Bon, je pense que j'en ai peut-être un peu trop mis, mais c'est pas grave. On est là pour se faire plaisir. Allez, c'est parti. Comment c'est bon? Oh, je suis désolé, mais le Nutella est largement meilleur que le Kinder. Par contre, j'en ai plein la bouche, là, je vais aller m'essuyer. Pour cette manche, même si le Kinder est très joli, je suis désolé, mais c'est le Nutella qui l'emporte haut la main, franchement. La construction, elle est incroyable, et au niveau du goût, il n'y a pas de débat, Nutella est largement meilleur que Kinder. Pour la sixième manche, on va refaire une manche que j'ai bien aimée. On va refaire la manche des gâteaux. Vous allez devoir construire un paquet de gâteaux. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, c'est parti, vous pouvez construire. Bon, les gars, je suis plein comme un ballon. J'espère qu'ils vont pas me faire un truc trop gros à manger. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui? Arlex, t'es là? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, ça? Une boule rouge, une boule jaune? Mec, j'ai aucune idée de ce que t'es en train de faire. T'es sûr c'est un gâteau? Ouais, ouais, je te laisse la surprise. Ok, ok, bon, bah j'ai hâte de voir ça. C'est un truc connu ou pas? Très. Ah, c'est très connu. Ok, ok, bah j'ai hâte de voir ça. En attendant, on va aller voir Shenron. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Oh là, oh, je crois que j'ai deviné. Un tube bleu, il y en a pas 3000 des tubes bleus dans les gâteaux. C'est forcément des Oreos, je me trompe? Exactement, gros. Oh là là, mec, je suis trop fort. En vrai, les Oreos, c'est super bon. Moi, j'adore. Par contre, les gars, pour les deux boules jaunes et rouges, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, d'accord, c'est des M&M's. C'est pour ça que tu me disais que c'était super connu. Bah oui. Oh là là, mec, c'est trop stylé. T'as fait les deux petits personnages rouge et jaune. J'adore. Oh, les gars, comment je suis trop content. Là, ça veut dire que je vais manger des Oreos et des M&M's. En plus, il n'y a même pas débat. Les M&M's, c'est largement meilleur que les Oreos. Bref, on va rien dire, on va les laisser construire et on se retrouve dans 5 minutes pour le résultat. Ça y est, les gars, c'est terminé. J'ai trop envie de voir à quoi ressemblent les M&M's. Oh là 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 là, comment ils sont trop bien faits. Oh, franchement, pour la construction, c'est un 10 sur 10. Ils sont
incroyable. Franchement, Alex, t'as géré. Merci. Et maintenant, on va voir la construction de Shenron. À quoi ressemblent les Oreos? Eh, en vrai, ils sont quand même bien faits, les Oreos. Moi, j'aime beaucoup. Non, franchement, Shenron, t'as géré. Bah, merci, ça fait plaisir. Qui est le meilleur entre les Oreos et les M&M's? Je vais tout de suite acheter ça et on se retrouve pour la dégustation. Ça y est les gars, j'ai acheté les M&M's et les Oreos. On va tout de suite commencer par les M&M's. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Oh là 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 là. Oh. Ah là là. Mmh. Oh non. Ah ça c'est trop bon. Maintenant je vais goûter les Oreos. Est-ce qu'ils sont à la hauteur des M&M's en vrai? Je sais pas, ça va être très très compliqué. Je vais quand même goûter. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon quand même les Oreos. Moi j'aime bien. En vrai, au niveau du goût, les deux ils sont super bons. Donc je pense que je vais juger à la construction. Et au niveau des constructions, le paquet d'Oreos, je le trouve un peu moins stylé que les M&M's. Regardez les M&M's, comment ils sont trop stylés. En vrai, la victoire elle est pour toi, Arlex. Et on va tout de suite passer à la dernière manche. Pour la dernière manche, les gars, je vous laisse une heure pour me faire votre aliment préféré. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors c'est parti, vous pouvez commencer. Les gars, en vrai, je leur ai dit une heure parce que j'ai beaucoup trop mangé. Là, j'ai besoin d'une petite heure pour digérer. Je vais les laisser construire et on se retrouve quand ils ont terminé. Ça y est les gars, les 1 heure sont terminées et on va juger les constructions. On commence tout de suite avec celle de Shenron. Ah, il a repris la canette. Ok, là qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est un burger de chez Burger King. Ouhouhou, je sens que je vais me régaler. Et est-ce qu'il a fait le burger à l'intérieur? Ah ouais, je vois un petit truc. Je crois qu'il a fait le burger. Ouais, regardez, il y a un burger. Shenron, t'es là? Ouais, je suis là. Comment on fait pour voir le burger à l'intérieur? Eh bah, faut que tu trouves une ouverture. Ah ouais? Attends mec, comment t'as fait ça? Oh, ouvrir le Whopper. Oh là là. Oh, c'est trop stylé. Mais non, je suis choqué. C'est beaucoup trop bien fait. Ah non, là, je suis désolé, mais c'est un 10 sur 10. Oh là 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 là, comment c'est trop stylé. Oh, j'ai hâte de voir la construction d'Alex. Ok, Alex, qu'est-ce que tu nous as fait? Ouh, un petit tacos. Oh, j'aime trop. C'est vrai qu'on pouvait pas faire cette vidéo sans manger un tacos. Et avec ça, t'as fait un Pepsi Max. Ok, ok, stylé, stylé. Par contre, t'as fait que ça en une heure? Ouais, c'est mon plat préféré. Ouais, en vrai, je comprends, c'est ton plat préféré, mais à côté de ça, Shenron, il a fait un truc de fou, hein. Ah ouais? Ouais, il a fait une boîte à burger, quand t'appuies sur un bouton, elle s'ouvre et tout. Non, franchement, c'était trop stylé. Au niveau de la construction, il n'y a pas à dire, c'est Shenron qui gagne. Par contre, au niveau du goût, je pense que le tacos va gagner. On va tout de suite passer à la dégustation pour savoir qui va gagner cette manche. Les gars, regardez-moi ça, j'ai mon petit Whopper. Aïe, 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 aïe. On va tout de suite le déguster. Oh! Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Eh les gars, là, je vais pas perdre de temps. Je vais tout de suite taper un Big Crow. 3, 2, 1, c'est parti. Mmh. Oh, c'est super bon. Oh, franchement, Burger King, c'est top. Avec ça, je bois mon petit Coca-Cola puisqu'il y avait un Coca-Cola dans la construction. Et en vrai, c'était pas mauvais, hein. Franchement, je mets la note de 7 sur 10 parce que le burger, c'était un burger veggie et je suis pas trop fan. Moi, j'aime bien quand il y a de la viande. On va tout de suite passer à la dégustation du tacos et j'ai une petite surprise pour vous. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Hop là, les gars, on se retrouve directement au tacos. Pour le tacos, j'ai envie de faire les choses en grand. Je vais faire mon tacos moi-même. Alors, on va directement commencer. J'ai mis la galette pour la sauce. Hop, moi, je prends la sauce algérienne. Je la mets comme ça. Voilà. Je vous montre comment je fais les tacos, moi. Ensuite, j'étale. Voilà. On va prendre la garniture, salade, tomate, oignon, la base. Voilà, hop, tomate et les oignons. Ensuite, un petit peu de mozzarella. Franchement, ça, je kiffe, ça, c'est trop bon. Hop, on en met bien, on met la petite dose. Et là, on passe au plus intéressant, la viande. Moi, j'ai opté pour de la tenders. Regardez-moi ce beau poulet, là. Si ça, c'est pas du beau poulet, ça va nous réconforter pour le KFC qu'on n'a pas pu manger. Voilà. On n'oublie pas, bien évidemment, les frites. Ah là là, regardez-moi ça, ça. Mmh, un régal. Et bien sûr... le meilleur pour la fin, la sauce fromagère. Regarde-moi ça. Alors ça, c'est, ça, j'en prends dans tous mes tacos. Ça, c'est l'inévitable. Regarde-moi ça. Voilà. On met la dose. Hop là. Maintenant, il n'y a plus qu'à le plier. Je vais laisser le chef le faire parce que moi, je pense que ça va être une catastrophe. Mohamed, viens voir. Salut. Ça va ou quoi? Bien toi? Ça va, ça va. Bah alors, t'as du mal? Bah, il est comment mon tacos? Ouais, il a l'air bien garni, là, il est délicieux là, ça se voit. Ah mon gars, je vais me régaler. Là, on affronte un burger. Tu penses ça, ça va être meilleur que le burger? Ça casse. Ça casse le burger? Ça casse. Ah, j'aime bien quand il me parle comme ça. Bah vas-y, allez. Plie-moi ce tacos. Allez, vas-y. Et on va tout de suite déguster. Parfait, donc on ferme la feuille et hop là, il est par ici. Il n'y a plus qu'à le passer au four. Ouh là là, je sens que je vais me régaler. C'est parti, on enfourne. Hop là.
Et c'est parti. Et hop les gars, on se retrouve pour la dégustation. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Comment je vais me régaler avec ça. J'ai le petit Pepsi Max puisqu'il avait construit un Pepsi Max. Et là, je vais taper un big croc. Ah bah les gars, je vous le dis d'avance, hein, c'est le tacos qui a gagné. Ah là, il n'y a aucun doute. Mmh. Oh, c'est un régal. Ça régale. Regardez-moi ça. Oh là là. Non, franchement, le tacos, il est incroyable. C'est lui qui remporte la dernière manche. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker, pour commenter, pour vous abonner. C'était Toine Lag. Ciao.